Everything in life in the universe exists and has a rhythm. It all goes on a rhythm on a pulse a motion picture every motion picture has to have a rhythm a book has to have a rhythm a piece in the theater should have a rhythm It's very important and you don't give the rhythm the rhythm comes from within the story the happening because every story has a different rhythm every story has a different pulse whatever you call it all right next bullshit come on in another time that we talked you said that the direction you gave to dick powell on the same subject in, in Pitfall, was that he was a, like an oxen, not a bull, but an oxen with the yoke. The foe was an oxen. That's a compliment because if he is a bull, he is not good for the party and he can't do it. If he is a cow, I mean, then he couldn't do it. So there was only one, only one path for him to follow, to be an oxen. If you take the animal kingdom as an example, uh, for the character he played, because he was—he wasn't a neuter. A neuter doesn't do things. A neuter is a neuter. He wasn't. But he didn't have the balls, and he didn't have the other organs like a. Whatever. Corresponding to the balls. But now we come to a period that I call the battle for identity.

Haine de l'humain et amour perdu. C'est toujours un grand mystère, un secret pesant, tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'acharnement pour éliminer ses frères, radical et sanguinaires. Il a besoin de tout son talent pour finir bien plus seul qu'avant. Eh oui, vous êtes bien dans l'attendant Godard à l'émission de cinéma qui est mieux qu'elle le Donc, vous l'aurez peut-être compris, via cette citation d'une chanson de Bernard Lavilliers, nous allons parler de morts et de gens qui finissent seuls à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista de deux westerns des années 50. D'abord, le Cavalier de la mort, Man in the Saddle, de André de Tott de 1951, et ensuite Bataille sans merci, aka Gun Fury, de Raoul Walsh de 1953. Et après, nous parlerons d'un un film qui est sorti en salle la semaine dernière, euh, Misanthrope de Damien Zifron, qui est donc euh, sorti dans les salles françaises. Et pour parler de ce jeu, au premier mot de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du grand toast à ma gauche, toujours à ma gauche, il est de retour. C'est carrément Floret. Bonsoir Thibault. Salut Thomas, salut à tous. Ça faisait longtemps, les vacances se sont bien passées. Excellent. Et donc, euh, vu qu'on parle de western et de films de vieux notre spécialiste international, il est parmi nous, c'est le seul, c'est l'unique, Simon dit le grand, dit le jeune aussi. Bonsoir Simon. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous avoir et de vous retrouver parmi nous, mon cher, hein, pour parler de Pampan de et de chevauchés Également. Et à la mise en scène de cette émission, mais évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de Tête de ligne. Un saut de merde, docteur il m'a jeté un saut de mer mmh. en plein fouet. Je fais un rendez-vous avec un prof de Zurich. <laughs> ce matin, c'est vrai. On, on est en ligne. On en a l'antenne Donc voilà, Simon avait un rendez-vous ce matin avec un professeur de Zurich. On ne sait pas pourquoi. Il peut être espion finalement. C'est comme ça, la CIA. Ah d'accord. Je comprends. On ne a rien, surtout. Donc, euh, alors, les news, on va commencer par des news personnelles, puisque nous, je pense que vous allez vous joindre à moi pour souhaiter un très bon anniversaire à Anthony. <laughs> ah, Anthony oui. dit Antioche, dit Bernard, voilà, mon petit fiston hein, qui vient de fêter ses 34 ans, on est très heureux pour lui. Bon anniversaire, voilà. anto. Bon anniversaire, Anthony aussi. Dans un tout autre genre, euh, lundi prochain, je vous rappelle que donc le festival Comptoir du doc euh, Image de J justice a lieu à Rennes et en attendant Godard euh, s'associe donc avec euh, Comptoir du doc dans le cadre des séances revers et donc lundi à 20h15 euh, à l'Arvor, il y aura un double programme avec une sale histoire de Jean Eustache et les sexes de, je n'ai toujours pas noté le nom du gars, mais en tout cas ça va raconter un sacré paquet d'histoires salaces euh, séance interdite je crois au moins de 16 ans. Parce qu'il y a quand même pas mal de, de zigoulettes et de pilou-pilou qui vont apparaître dans le film proposé par le comptoir du Doc, donc ce n'est pas à mettre devant tous les yeux. Voilà. Vous aimez bien ça, Simon, les images cochonnes Alors moi je suis très pudique. <laughs> C'est pas du tout mon truc. Non. Vous êtes, bah, plutôt dans la retenue, un hein, côté nordique presque, le côté normand finalement. Oui, on peut le dire. On fait. Voilà, sinon, euh, ce... demain, nous sommes le 2, donc demain le 3 au TNB dans le cadre du printemps du TNB Breton, à 19h, il y aura une séance avec le Laboca et euh, Eric Touvenel, donc euh, de... séance de films expérimentaux sur lesquels les étudiants du Laboca ont travaillé et retravaillé justement. Donc il y aura une projection de tous ces films-là qui seront accompagnés évidemment par les gens qui ont travaillé sur les films et par Eric Touvenel. Sinon, dans les cadres du film de dimanche soir, je vous rappelle que la semaine prochaine, le 14 mai, donc à 20h15, avec nos camarades du cinéma et moi, nous avons le plaisir de vous représenter, puisqu'ils l'ont présenté pour la première fois il y a cinq ans pile poil en mai 2018, donc Starship Troopers de Paul Verhoeven. Donc voilà, vous pourrez voir ou revoir à loisir, à satiété même, je dirais, un des plus grands, un des derniers grands chefs-d'œuvre du cinéma américain de la fin du siècle dernier. Oui, c'est un petit peu notre film leitmotiv. Exactement, c'est voilà. ça. Il faut toujours y revenir, c'est toujours pas voilà. mal. Et ce qui est bien, c'est que 20 ans après, 25 ans après, ça fonctionne toujours aussi bien. Ouais. Oui, a peut-être un film plus que, plus que jamais d'actualité. Oui. Thématiquement, un film qui ne bouge pas, ce qui est un peu non. inquiétant, mais ouais, ce qui est voilà. toujours agréable à voir. Donc on va le projeter tous les ans. <laughs> voilà, exactement, on pourrait. Euh, sinon, dans les sorties, donc est sorti ce week-end euh, sur Netflix, euh, le film « Aka ». AKA avec euh, Alban Lenoir, donc, qui est par la même bande que les deux Balles Perdues, qui étaient aussi sortis sur Netflix. Sauf que là, c'est réalisé par le chef donc des deux Balles Perdues. Voilà, film un peu de polar bagarre. Le film n'était pas génial déjà, mais la photo est encore plus moche que le récit, je pense. <laughs> Et ça n'annonce bah... rien, de... Ah bah rien écoute... de formidable. Écoutez, euh, moi je l'ai vu, la photo, ce n'est pas ce qui pêche le plus dans le film, euh, ouais. mon cher Simon c'est le reste <laughs> notamment le scénario euh, mmh. l'acting l'intrigue euh, une partie de ouais. mise en scène la durée le mieux en fait c'était juste d'avoir un nouveau chef-op mais le type <laughs> est mauvais pour diriger un film voilà mmh. voilà voilà il y a quelques scènes de pif-paf euh, sympathiques ouais. et Eric Cantona en méchant voilà ça fait ça je suis pas pour faire un film on d'accord ouais. hein. ah bah sinon euh, je pense encore plus nul hein, c'est les gardiens de la galaxie 3 de James Gunn qui sort je ça m'échappe totalement. Apparemment, c'est le dernier de la trilogie. Ça va être encore un truc bouleversant et très triste. Voilà. Vous n'avez pas l'air une enthousiaste Si, moi, je suis <laughs> ah, vraiment. Ouais. Ouais. ouais, ouais, faut le dire. Euh, bah, sinon, peut-être plus pour vous, histoire de bien rigoler, le film Un an, une nuit sur les traumatismes du Pataclan dans un couple. Ouais. <laughs> ouais. Bonne ouais. période, là, ça, ça rigole bien. Il y a La Marginale avec Corinne de Maziro, donc le capitaine Marlot de France 3. Voilà, un film où joue une, une SDF, acteur studio, comme on dit. Okay. Hein. Voilà. <laughs> c'est ouais, les fonds de tiroir. Hein. Euh, bah, il y a un film qui célèbre les valeurs par, ah. par le réalisateur euh, euh, du fils à jo. Ah, vous allez dire, voilà. dire en tant que boutade, mais en fait. Non, non, okay. c'est le, le même réalisateur que le fils à jo. On y retrouve euh, Olivier Marchal, voilà, qui joue euh, l'entraîneur euh, d'une équipe de rugby euh, dans le sud-ouest de la France qu'on aime bien. Et donc, il euh, y, y a un paquet de migrants qui vont arriver. Certains sont pas contents parce que les migrants, ce pas la France. Mais Olivier Marchal, il a un cœur aussi gros que sa bouteille de ricard et il leur dit Hop là, chocolat, on va prendre les migrants avec nous, on va se battre, on va gagner, et on va niquer les enculés en face. Parce que c'est ça les valeurs d'entraide, de partage du rugby de la France. Okay. Voilà, pour l'honneur, ça sort de... <laughs> C'est bien vendu, je crois qu'on a déjà vu le film du coup. Voilà. voilà. Parfait. Et sinon, non... Enfin, reprenez-vous. En <laughs> Et donc, sinon, la semaine prochaine, nous en parlerons pour le coup dans un registre plus sérieux. C'est le nouveau film de, de Kelly Reichardt Showing Up qui passe au TNB. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Peut-être, dans un genre différent voilà, en tout cas. Oui, voilà. Et voilà. Donc nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons partir au sud des États-Unis d'Amérique. Ils ont un pas aussi comme ça au Texas. Et donc on va avoir un certain vertige. En attendant Godard sur sylla et donc c'était Billy No mates avec Vertigo. Et de vertige, donc il en les questions dans les deux films de nous allons parler dès à présent, relativement. Donc deux films euh, hollywoodiens de western début des années 50 qui ont pour ce point commun d'être réalisés par deux borgnes, donc euh, André Le Tote et Raoul Walsh, font et qui font partie de la bande des quatre. Exactement, de la bande des quatre avec John Ford et euh, Fritz Lang, qui ont tous fait des westerns, ça tombe bien. Comme quoi, il y a quand même. De toute façon, on sait tous que les plus grands metteurs en scène ont fait au moins un western dans leur vie. Sinon, ça sert à rien de faire du cinéma. En général, c'est cinq. Mmh, au moins cinq. Ouais. Hitchcock a fait un western, non non je crois pas, non D'Occard. On l'a toujours dit. <laughs> on peut le dire, Simon. Oui, oui, je pense aussi. D'ailleurs, je pense que Fritz Lang en a fait que trois et on ne peut pas le mettre dedans encore tout à fait non plus. Oui. Mais euh... il a fait d'autres choses. Il est allemand, c'est. Oui, c'est vrai. S'il était resté aux États-Unis, mmh. il en aurait fait plus. Exactement, ouais. c'est ça. Donc, euh, je vous ai deux films de Borgne, André de Toth et Raoul Walsh. Le premier et le plus ancien, en tout cas, donc, Le cavalier de la a.k.a. main in the Saddle donc de 1951 qui comme euh, Bataille sans merci vient de ressortir en DVD bleu chez aussi avec Bertrand Tavernier dans les bonus je ne savais pas qu'il en faisait encore malgré son décès je pense qu'ils ont dû enregistrer un ah, paquet oui, en, en voyant les titres à un moment ouais. Et ça, bon, allez vas-y Bertrand balance tout ce que as je me demande si c'est pas au moment où ils il sortaient ces bouquins Tavernier, ah oui où euh, ils se disaient ok vous avez sorti le bouquin on va enregistrer un hein, tout un tas de pendant 20 ouais. petites minutes, pendant une semaine Ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. Je, je, je sais pas, j'imagine. Non, mais oui, j'imagine que, que de toute façon, mmh. c'est ça qu'il a tout enregistré à la suite. Ouais. Et donc, euh, Le Cavalier de la Mort, qui est un des premiers, enfin, le premier western que André De Tos, euh, tourne avec Ronald Scott. Donc, c'est la première des 5 ou 6 collaborations, je crois. Ouais, il me semble que c'est 5, mais. Euh... Et qui est donc un, un film avec Ronald Scott, qui est un acteur qu'on aime évidemment beaucoup ici, mmh. qui après prendra peut-être, je, je ne dirais pas son envol, mais marquera durablement l'histoire du western, de, de la série de films qu'il fera avec Bud Botiker, les sept films qu'ils feront ensemble, qui sont tous mieux les uns que les autres. C'est ouais, ouais. quand même incroyable de faire en si peu de temps autant de, mmh. de chefs-d'œuvre à l'économie, presque on peut dire. Oui, et puis alors juste pour Scott, je crois que c'est un acteur qui à partir de 47. Décide de faire plus que des westerns. Il me semble qu'il avait suffisamment d'argent pour être tranquille et il se dit maintenant je veux juste faire des petits westerns parce que ça reste toujours du western à un budget, on va dire, relativement limité. Oui, plutôt de la série B. C'est ça, où il, il tourne en série, c'est-à-dire mm. 5-6 avec un réalisateur, 5-6 avec un autre, etc. Mais oui, enfin, je dis, là, ça. Comme quoi c'est vraiment quelqu'un de très agréable, c'est pas Gary Cooper ouais, quoi ça. ça. c'est vrai qu'il est plus sympathique <laughs> pour oui. ça, Scott. Ray. Et euh, Randolph Scott, on ira euh, dans son rôle assez classique. Euh, deux vieux cow-boys un peu fatigués, un peu ronchons, mais à qui on ne la fait pas quand même. Euh, il est amoureux d'une femme, cette bonne femme lui fil entre les doigts, car un propriétaire terrien euh, bien riche euh, l'achète, veut la marier. Oui. Donc, mariage de raison euh, pour elle. Elle lui dit, bah, clairement, c'est juste que c'est le meilleur choix à faire. Lui, il est un peu jaloux, du coup, de comme... Randall Scott, il dit, mais pourquoi est-ce que t'aimes ce vieux schnock Randall Scott, il a fait, well, you know, girls will be girls. <laughs> Donc, il n'est pas content et décide, euh, par pure jalousie parce qu'il est méchant et riche, d'aller se venger de Randall Scott qui demande juste à ce qu'on lui foute la paix. Lui, il se dit Bon, ça me plaît pas vraiment que ma donzelle parte avec un autre, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, je vais faire avec, je vais rester dans mon ranch à m'occuper de mes vaches. Et le méchant il va lui dire Tot, 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 c'est pas possible, c'est pas possible que ma gonzesse, elle t'aime plus que moi. Et Randall Scott, il fait Mais foutez-moi la paix <laughs> au bout d'un moment. Randall <laughs> Scott, il veut juste être chez lui, sauf que les gens viennent lui chercher des noises. Et lui, dit, Non, non, moi, j'arrête de me battre, j'aime pas la bagarre. Bon, au bout d'un moment, dans le scot, faut pas trop le pousser parce que quand on bute des gars, lui, il se dit bon, ils ont peut-être quand même franchi la ligne. La bagarre, d'accord, la mort, non. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire Bah il va aller buter les gars en face. Mmh. Et donc, sur cette intrigue, on dire euh, qui pourrait paraître prime sautière, comme ça, quand je la raconte, ouais. il y a quand même euh, chez The Todd, j'ai l'impression de ramener quand même certaines des, des figures ou des thématiques du film noir, un côté assez fataliste sur les personnages, ouais. un, comme un, un spleen noir finalement, qui va essayer de mettre euh, euh, sur le western, parce que c'est n'est pas son seul western, il en a fait plusieurs, il en a fait un de ses plus grands chefs-d'œuvre de toute sa filmographie, qui est la chevauchée des bannis. Die of the Outlaw, dont on avait parlé ici il y a 12 ans, je crois. À l'époque, il était sorti chez Wildside, qui est un des très grands chefs-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre sous la neige, d'ailleurs, qui est mmh. un, un sous-genre presque du western. Euh qui est Pas si fréquent que ça, mais qui donne en général de très bons films. Ouais, et qui est d'ailleurs un peu oui. un western noir aussi. Oui, aussi, oui, oui. Ouais. Bah, Avec cette, cette ambiance-là aussi, mm -hmm. euh, justement. Donc André c'est un metteur en scène hongrois qui aura œuvré une fois qu'il sera parti de sa Hongrie Natale, où il avait déjà commencé à faire des films dans à peu près tous les genres, mais notamment dans le film noir, où peut-être c'est là qu'il aurait le plus brillé, en, en tout cas, notamment avec son sur-chef-d'œuvre, Chasse aux gangs. Un des, un des plus grands films noirs de toute l'histoire 1h13 pile poil d'une sécheresse absolument impeccable et dans tous les genres qui va essayer d'investir que ce soit après le film de guerre le film d'aventure j'ai l'impression qu'il va quand même essayer d'inculquer cette sécheresse de style à tous les genres qui va investir parfois avec des fortunes diverses mais André Le Tois, c'est quand même un des réal qui a une bonne filmographie, mais qui n'a jamais vraiment fait une merde. Non, c'est vrai, il n'y a pas de, de déchets. C'est vrai qu'on retrouve un, une forme de cynisme quasiment dans tous ses films, même dans ses plus petits euh, films, enfin un plus petit budget ou qui serait plus conventionnel. Je ne sais pas ouais. si c'est le côté européen, justement, du western qui fait qu'il y a un peu ce. Pas forcément une distance, mais en tout cas une, un autre regard euh, sur la forme classique américaine. Après, il commence ces westerns au début des années 50 où il y a déjà un, un vrai changement en fait, mmh. euh, du genre. Parce que Fort est passé par là, il y a eu la trilogie de la cavalerie, etc. Et on commence à faire des films qui commencent à être un peu plus noirs, et notamment dans les petits westerns. Et du coup, je pense que... Comme c'est un moment où la production de films noirs aussi a tendance un peu à chuter, celle de western chute aussi un petit peu. Donc je crois que c'est 52, mmh. hein, le, la date du film. 51. 51. Donc c'est le moment où ça, ça commence à chuter. Ils vont essayer d'aller vers des scénarios un peu meilleurs. C'est les directives des studios, donc c'est-à-dire de, de, de faire des westerns, c'est-à-dire à la fois spectaculaires, mmh. mais avec euh, des scénarios un peu noirs. Je pense qu'il y a une un volonté. de un travailler avec une. Mmh. Euh, une psychologie ah. presque des personnages qui serait un peu plus creusée que, ouais. que juste le pampe bagarre, mmh. enfin euh, ce qui est plus le cas du Roll watch pour le coup, euh, après, qui est vraiment oui, très très pampe bagarre, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que là, il y a quand même mmh. une volonté d'essayer de, d'approfondir une psychologie des personnages, de faire un méchant que j'ai caricaturé comme étant un genre un peu, un peu grotesque méchant, mais qui est plus complexe que ça, il y mmh. a aussi des hommes de main qui rentrent ouais. en scène, qui sont un peu plus intéressants, et Randolph Scott qui est pris dans cette ambiguïté entre le fait de vouloir rester peinard et en même temps de... de, de ce truc très américain de défendre son bout de terre euh, une fois qu'on a mis euh, ouais. le pied dessus ouais. c'est vrai qu'au début c'est pas un héros, un héros d'action hein, à proprement parler il est très hein, passif et, hein. il même refuse un peu mmh. le combat je me rappelle euh, quand je l'ai vu donc moi ça fait plus longtemps que vous mais ses amis qui, me, qui meurent au mmh. fur et à mesure et on passe son temps à attendre à quel moment il va enfin euh, passer à l'action parce que c'est assez surprenant ça c'est plutôt vers le milieu des années 50 qu'on vu ces scénario. ça fait une mise en place assez étonnante avec un héros enfin qui est supposé être un héros mais qui est hyper passif tout le temps les gens n'arrêtent pas de se foutre de lui parce qu'il s'est fait piquer sa femme ils disent que c'est un pleut c'est un lâche et lui il fait oui non non ça va c'est cool c'est cool puis au bout d'un moment dans la deuxième partie du film c'est là qu'il va se dire bon maintenant peut-être aller au boulot en fait la deuxième partie du film clairement la moins intéressante du du film de, de, de Tos mais c'est vrai que le, disons que ça revient sur des rails plus classiques plus conventionnels mais c'est vrai que pour une série B alors euh, je vais encore ressortir mon concept de film Playmobil euh, <laughs> c'est vrai que moi, moi j'y pensais pour le Walsh justement alors là. pour le Walsh on y reviendra même s'il y a des trucs très intéressants dans le, dans le film de Raoul Walsh mais moi euh, ouais, le film alors en effet, il y a la bagarre, c'est 1h20. Il y a la bagarre, on ne t'ennuie pas une seule seconde. En effet, c'est très intéressant. Mais je je trouve y... 1h22, prenez les notes. Hein. Mais, euh, et c'est un film euh, voilà, qui a été fait un petit peu à la... Pas à la bas vite, mais un peu dans une vraiment dans cette logique industrielle de série B. Mais je trouve que le film va, va vraiment plus loin que ça. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, tu sens qu'il y a une influence autre. Euh, ce film-là, il y, y a une vraie altérité qui se propose dans ce film-là. D'une part, par le personnage de Randolph Scott, vous l'avez dit, parce que ambigu, parce que on est loin des canons westerniens à ce niveau-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après Scott, voilà, va terminer sa carrière chez Pekinpa, Donc tout est logique par rapport à à, à ce niveau-là. Mais par rapport à ce, euh, on va dire cette cette caractérisation du, du héros westernien qui finalement n'en est pas un, parce que au final, même T'as très peu d'empathie au début de, pour, pour Scott, voilà, on, vu qu'on rentre pas dans les canons, tu, tu sais pas trop toi en tant que spectateur où te placer. Tu sais pas si c'est un lâche, bien sûr, tu, tu doutes qu'il va y avoir une percée héroïque un petit peu dans son comportement, mais voilà, elle arrive très tardivement, comme tu le disais, euh, comme tu le disais Simon, et je trouve que ça va en parallèle. Cette ambiguïté là va en parallèle avec quelque chose qui est euh, que j'ai trouvé admirable dans ce, dans ce film-là, c'est la photo. Oui. Euh, Parce qui... que le film se passe quand même beaucoup de nuit ou, ouais. ou bien dans des intérieurs assez sombres. Donc du coup, as, euh, alors on n'est clairement pas du tout dans une logique euh, comment dire spectaculaire en termes de gestion des paysages comme. C'est le... pas duel au soleil, hein. Voilà. <laughs> Par exemple, ou même c'est pas non, mais pas, pas le western classique c'est pas le western classique américain euh, gestion des paysages qu'on va retrouver par, exemple, par contre chez chez Raoul Walsh parce que voilà je trouve que le paysage d'Arizona dans dans Gun Fury est extrêmement bien, bien mis en valeur ici le paysage est pas hyper euh, même sympathique même quand on va dans la neige parce que bon bah, de tot, il aime bien les filmer un petit peu quelque part dans, dans la neige on est loin de <coughs> des épiphanies ou du côté euh, purement, euh, purement euh, bucolique donc il y a ce rapport au paysage là qui est très particulier et puis il y a les intérieurs que moi j'ai trouvé absolument admirables parce qu'on est alors c'est un truc un peu un peu bizarre quasi contradictoire mais on est dans une espèce d'expressionnisme coloré c'est-à-dire que euh, on va il le... y a une scène moi qui m'a qui marqué c'est qu'en fait on est dans le, dans, dans le saloon et en fait, il y a des points de lumière qui sont beaucoup plus travaillés que d'autres. C'est-à-dire qu'on va jouer sur le clair-obscur, mais dans un univers un petit peu coloré. Et ce clair-obscur-là va trouver un petit peu son paroxysme dans une scène du coup, de fusillade, euh, pas nocturne, mais sans lumière. Et ça, je trouve que l'exercice de style est absolument admirable, dans le sens où, voilà, il, De Toth va prendre des outils expressionnistes. Pour travailler un petit peu la, la, la persona du héros euh, westernien Cette ambiguïté, ce côté où on ne sait pas trop où se placer Donc du coup c'est hyper cohérent par rapport à ça Et il va l'étirer jusqu'au bout pour arriver à cette gunfight Pas la gunfight finale qui est hallucinante par Dans contre. la tempête Dans la tempête, il n'y a pas un mot Pas une musique Pas une musique, c'est admirable C'est soustractif Ah oui mais à fond Mais il y a une pré-gunfight un petit peu dans le western Où là du coup il va y avoir que un, une lumière dans un recoin de porte ou où, euh, où euh, la, la lumière un petit peu de la détonation. Alors on n'est pas chez Michael Mann non plus, hein, oh. mais, euh, mais tu sens que. Point Michael Mann. Attends, point Michael Mann. Je... Mais est-ce que Michael Mann aurait pu être influencé par, un, par ce type de film-là J'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est bien de faire un petit peu des passerelles entre différents cinéastes. Ouais. Et j'en fais entre André de totes et, euh, et Michael Mann. Donc du coup voilà un film hyper play mobile parce que voilà il y a de l'action de ouf et en même temps il y a quelque chose de il y a quelque chose d'admirable dans cette mise en scène et dans cette ambiguïté à la fois du paysage, à la fois des décors et à la fois du personnage principal. Et puis il y a quelque chose moi qui m'a hyper marqué c'est la, la, la cruauté des dialogues. C'est qu'il n'y a pas un seul personnage qui est sympa avec l'autre. Globalement, ce sont des rapports de dominés-dominants euh, hallucinants. Alors, bien entendu, il y a le, il y a le grand méchant, euh, qui, là, enfin le grand méchant, le, 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 le grand propriétaire terrien, là, qui, en fait, euh, qui en fait un petit peu des caisses, mais pas, pas trop qui là, lui, en gros, il achète tout. Hein. Il achète l'amour, il, euh, il achète les bandits. C'est l'Amérique. Il... Voilà, c'est l'américain. Hein. Là, c'est vraiment le dollar qui compte. Et même Randolph Scott entre euh, soit euh, son ex-crush, soit son possible futur crush. Mmh. Quel Playboy. Quel Playboy, c'est clair. <laughs> Mais même ici, en fait, tu vois très bien qu'il ne veut pas voir que, euh, comment elle s'appelle, euh, pas Anna. Euh... Son, bon il y a un des personnages féminins qui est amoureuse de lui mais lui il veut pas du tout le voir il est totalement Joan euh, Leslie et qui est total il est totalement aveugle par rapport à ça il sent très bien que euh, son amour euh, passé bah, que ça va être du passé et puis voilà les il y a des entre eux voilà ils sont tous pas sympas. et il y a une vraie cruauté de la une vraie cruauté des dialogues qui rajoute un petit peu à euh, une ambiance vraiment pas cynique mais vraiment délétère qui fait que le film dépasse vraiment son statut de série B pour aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant et puis formellement c'est hallucinant parce que moi j'ai j'ai en mémoire il hein, y a un travelling hallucinant sur des vaches qui s'affolent et qui partent un petit peu dans la prairie alors comme ça du coup c'est pas c'est pas sexy dans l'absolu sauf si tu surkiffes le western mais là oui, le travelling est, ou... est d'une stabilité hallucinante pour euh, 51 tu te trouves pas euh, tu t as l'impression de, de voir euh, de te dire bah voilà bah John McTiernan point McTi aurait voilà. pu faire la même chose dans le 3ème guerrier par Exactement. exemple. Exactement, oh, Donc euh, donc ça ça reste hallucinant. Du coup le film est clairement au-dessus de la moyenne, rien, enfin juste, juste par rapport à ça quoi. Pour te suivre là-dedans, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette question de l'espace. Euh, chez Dothos et du, du paysage et c'est vrai qu'en fait euh, c'est peut-être à partir de ce moment là qu'il met en place euh, parce que tous les films qu'il fait par la suite il y a ce même rapport à l'espace en fait d'un espace désagréable qui pourrait être très beau mais en fait qui est, qui est jamais euh, magnifié en fait mmh. on va parler du Walsh tout à l'heure où tu as une composition du cadre ouais. qui le met en valeur là c'est plutôt l'inverse c'est à dire qu'il va chercher plutôt à montrer que les personnages sont dans l'espace mais le, le L'espace n'est pas l'objet représenté, en fait. C'est plus ces personnages dans ouais. un endroit assez dur. Un endroit assez dur qui est doublé par ces, euh, ces autres personnages. Enfin, euh, on va dire le cynisme un peu ambiant et la cruauté. Mmh. Euh. Par contre, je ne sais pas si on y continue avec ça. Parce que c'est vrai que l'idée d'expressionnisme coloré, elle est marrante, elle marche bien avec le film. mais je, je me demandais un peu si on trouvait ça dans les autres euh, euh, deux tosses par la suite. Euh, ce qui ce qui serait pas... Enfin, euh, je pense aux intérieurs comme ça de la... Euh, la chevauchée des bannis mmh. qui sont quand même des intérieurs euh, alors c'est en noir et blanc mais euh, qui font des espaces quand même assez, assez cruels aussi en fait et qui sont euh, assez durs avec des lumières très coupées ça, avec des lumières très tranchantes etc qui sont pas non plus complètement du film noir il y a un côté plus froid, un peu plus lumineux mais coupé et oui, non c'était plus en je sais pas si vous avez d'autres bah moi, euh... moi en, en espèce d'expressionnisme bah, coloré il y a l... sur la piste des de John Ford qui me vient en tête mmh, là ouais. euh, immédiatement mais on est, on est en 39 hein, pour, ouais, euh, ouais. pour le non, Ford je pense comme ça si peut-être sur la rivière, la rivière de nos amours de Dothos qui est un film qui fait en cinémascope peut-être en 54-55 euh, donc il y a à la fois les couleurs du cinémascope et, et il est une histoire d'amour avec des indiens des tuniques bleues etc 55, donc, ouais. pas le genre de récit euh, on va dire euh, noir entre guillemets et là, à et je pense que justement dans ce récit là il y a des séquences, beaucoup de séquences de nuit justement euh, qui vont être assez euh, il va réutiliser peut-être un peu ces techniques là par la suite. Après, on parlait du cycle de Tos avec Randolph Scott Il y a aussi le... voilà, il a beaucoup, beaucoup bossé aussi avec Bud Botiker. Et... et alors, il faudrait peut-être que je revoie certains films de, de Botiker, mais j'ai l'impression que de Tos et et au final, alors que Bud Botiker est quand même une des légendes et un cinéaste lég... absolument légendaire, mais j'ai l'impression que Botiker était peut-être plus euh, plus sec. Et au final, beaucoup plus play mobile que André de Tots. Enfin, si ouais. vous voyez euh, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Le, le concept, voilà, euh, voilà, un, un film, on va d'un point a à un point B. Il n'y a pas de, il a pas de périphérique. On y va et on y va tout droit. Mais en fait, chez de Tots, voilà. Mais en fait, de j'ai l'impression qu'on prend un petit peu des chemins de, de traverse ouais. pour aller sur sur quelque chose. Voilà, de, de, de plus riche. Alors, est-ce que De Tos est un cinéaste plus riche que Buttigieg? Oui, je, je pense, je parce ne sais il pas. Il Formel, il enfin, est plus marqué par l'après-guerre, il y a, cas, il y a beaucoup de choses. Ouais, mmh. c'est ça. Ouais. Même formellement, hein, je pense oui. qu'il est, est quand même plus riche. C'est-à-dire que est euh, un très beau cinéaste qui représente très bien le paysage, oui, ses oui, personnages dans voilà. le paysage, etc., avec des trucs très bien construites De Tos, il y a quand même une volonté de, comme tu disais, thématiquement ou même stylistiquement. Hein, c'est, mmh. je veux dire, *Pitfall*, *Crime Wave* et tout. Il n'y a pas d'équivalent dans les films noirs de, de Buttigieg. Et votre petit gar a fait des peut-être que ces westerns sont surtout ces derniers westerns avec Scott sont très marquants mais c'est aussi la fin de l'Ouest etc mmh. ouais. ils, ils pas tout à fait en fait dans la même période quelque part donc donc, le Mais ça reste un, un super film dans l'absence. Ouais, donc, Le Cavalier de la mort de André de Tos euh, de 1951. Et Par là, coup, le film français est pas terrible. Hein. Non. <laughs> film beaucoup plus Playmobil qui correspond un peu. Donc, Bataille sans merci aka Gun Fury de Raoul Walsh de 1953. Film prévu pour une exploitation en relief. Ah Tu as as me poser la question. La même année où André de Tos fait L'homme au masque de cire, film d'horreur qu'il tourne aussi en 3D. <laughs> Étonnant de faire ces expérimentations 3D avec des bornes, donc ils ne peuvent pas avoir la profondeur. <laughs> en plus de ça, il y a un truc <laughs> je ne sais pas c'est la, la copie que tu m'as passée que je regarde, euh, y avait, Elle n'était pas en format 1, 37, mais en format plus large. ouais Donc c'est un, enfin c'est un OpenMate et c'était bien cadré mal, malgré cette technique-là. Et, et l'OpenMate, ça commence vraiment en 53, mais normalement fin 53. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y avait non seulement la 3D, mais aussi cette idée que ça serait diffusé en format beaucoup plus large. Ouais, en format, format plus large, films. justement, pour <laughs> peut-être renforcer ouais. le côté immersif 3D. Donc, Raoul Walsh, réalisateur euh, hollywoodien euh, depuis euh, la fin des années 10, il était acteur, réalisateur, documentariste, il a bu des coups avec Pancho Villa, euh, voilà, il a joué euh, pour Griffith, il a joué L'homme qui tue Lincoln quand même, il s'est mis à faire plein de films dans tous les genres possibles, imaginables l'action, l'aventure, la guerre, la romance. Et il a écrit même là-dessus une des meilleures autobiographies qui existent, Mon Hollywood à moi, qui était paru dans les années 80 chez Ramsay Poche. Autobiographie à 95% de bullshit, mais alors écrit absolument magnifiquement. Où Rollwatch écrit, plus que réécrit, sa propre légende, sa propre histoire et toutes ses aventures, tous ses copains de beuverie et toutes les centaines et centaines de femmes qu'il aurait connues, en plus évidemment de guerrieros et autres chefs de guerre. Et donc ce côté aventureux qui est quand même euh, propre on va dire euh, au cinéma de Raoul Walsh parce que Dieu sait qu'il en aura fait beaucoup dans tous les genres, beaucoup de westerns aussi. C'est lui quand même notamment qui a fait jouer pour la première fois John Wayne dans The Big Trail euh, à la fin des années 20. Ouais, peut-être début années 30. Ouais, c'est ça mais en pense, tout cas ouais. grande saga ouais. euh, sur l'ouest avec un tout jeune John Wayne qui avait 27 ans, je crois un truc ouais, comme ça. ça. Ouais, ça ouais. C'était voilà. aussi un film qui était fait pour être projeté dans un format ouais, hyper ouais. large. Allez, parce que c'est un et format ouais. large celui-là. Donc là, ouais. euh, on voit qu'il continue à. Il aime bien expérimenter, aller dans la ouais. série B. Il se dit que tourner en relief, pourquoi pas Comme ça, euh, il le fera avant les autres. Et ce sera comme ça, mmh. il pourra encore le mettre sur son CV en disant mmh. que c'est lui qui est le meilleur. <laughs> parce que c'était, ouais. Pour le coup, c'est un vrai Marlou quand même. Hein. Mmh. C'est un vrai brigand euh, aventurier. Ou là, donc, euh, il tourne avec Rock Hudson, qui est un acteur que j'aime moyennement parce que je le trouve quand même très limité mais ce que fait Raoul ouais. Walsh dans le film c'est juste de filmer ce gros tas de sur surmusclés mmh. qui va aller foutre des bourpifs au mec qui veut lui piquer sa meuf bah en fait à ce moment là euh, il est excellent en comédie en mmh. rock'n'roll et super mauvais en western et de fait moi aussi je le trouvais pas bon puis à la fin tu te dis bon bah finalement il en a juste fait un héros d'action et oui. tout Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ce qui était intéressant dans le film, c'est tous les personnages secondaires. Même le méchant, je ne le trouve pas ouais. terrible. Ah. Par contre, toute la bande du méchant, ça je trouve Marvie, formidable. Il ouais, ouais, y a Ney justement ah ouais, ouais, Ce qui est le plus intéressant dans les personnages, c'est les personnages secondaires hmm. qui essayent un peu de de parasiter soit l'histoire soit de remettre le grand méchant dans le droit chemin entre guillemets en lui disant en gros de lâcher cette petite poule qu'il a capturée mmh. parce qu'il commence à emmerder tout le monde parce que l'autre veut la récupérer et qu'il commence à buter plein de gars derrière ouais. donc au moment il faudrait peut-être arrêter les conneries et partir au Mexique quoi. Ça, en fait il parasite un peu le récit mmh. c'est-à-dire c'est le récit le plus simple du monde d'un type on a kidnappé sa femme il est tout allé rechercher sa femme et le type qui l'a kidnappé et ils font. Euh, donc, que ce soit l'antagoniste ou l'autre, euh, ont des, des adjuvants, hein, des gens qui les aident. Ils font des alliances, Mais euh, ou... c'est. Enfin. En fait, tu te rends compte que les hommes du méchant vont plutôt être contre lui progressivement, soit ils trahissent, soit etc. Euh, pareil pour le personnage principal qui peut difficilement faire confiance aux gens qui euh, qu l'entourent. Euh, c'est un drôle de récit, en fait, oui. pour le coup, euh, en, en western, c'est original, parce qu'il n'y a pas plus simple. Donc ça donne le côté plus mobile, et puis en même temps... Euh, ah, c'est euh, entremêlé euh, avec des trahisons, euh, ça, euh, avec oui. des gens qui changent de camp, mm -hmm. euh, ou qui changent d'avis comme de chemise. C'est la même chemise tout le temps. Même. Une logique de suspense qui est très... Euh, Bizarre par moment, en fait, parce que je sais pas, à un moment, il y a un personnage où euh, on voit les méchants dire Ah, tiens, on peut peut-être trouver un moyen de faire un échange pour après pouvoir euh, être sûr qu'un homme de main qui était à nous va de. Euh, va, euh, on va pouvoir le tuer pour plus qu'il se retrouve la dessus complication surcomplication d'intrigue. C'est ça. Sauf qu'en fait, on nous explique tout avant, du point de vue des méchants, ce qui fait que ça nous casse tout suspense. Quand on voit la scène, on se dit Ah, ouais, alors c'est super bien filmé. Hein, ça, il y a, y a pas de C'est un des très rares qui, au moment de l'Open Skype, de l'Open euh, mate. mate, merci, arrive à garder un paysage hyper bien. Cadré mmh. comme euh, ce qu'il faisait avant. C'est même le seul, hein, je trouve, euh, sur 53, 50. Mais euh, par contre, euh, là-dessus, euh, en termes de rythme de récit, je regardais ça, je me dis, c'est quand même dommage, c'était une bonne idée, mais il a pris le problème à l'envers. <laughs> c'est vrai que c'est un rythme étrange, du coup. Ah oui, un rythme Parce étrange, que c'est un ouais. film qui a énormément d'action et puis ouais, les gens ouais, qui, visiblement, ont ouais. bien se battre. Ouais, ouais, ouais. Mais entremêlé de scènes qui vont parasiter tout ça, comme pour mmh. dire que finalement, tout ça, c'est un peu qu'une farce. Oui, 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 un peu. Ouais, en, a en essayant côté... de le, le surcomplexifier, ouais. là, il n'y aurait pas besoin. Mais finalement, pourquoi pas? Oui, c'est ça. ouais, ouais C'est euh, oui, vrai que c'est un film Playmobil de par sa durée, parce qu'il y a beaucoup de pif-paf. Ah, il y a 1h23. Euh, voilà, <laughs> donc on est, on est quand même bien. Euh... Parce que les grands films 3D euh, euh, de plus de 3 heures, c'était pas pour tout de suite. Ouais. Et il y a, y a quand même 2-3 éléments. Alors, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus. Euh... Euh, Archétypale de. de, de, de J'ai envie de dire. Encore du genre que, euh, les deux personnages, le, le méchant euh, et Pierre c'est tous les deux, ce sont tous des sudistes, mais qui n'ont pas vécu la fin de la guerre de la même, de même manière. manière ouais. Il y en a oui. un qui l'accepte et qui a dit que de toute façon la guerre c'était vraiment genre voilà, une connerie, puis, on aura dû négocier, et l'autre bah, qui est un, un revanchard sudiste et qui veut okay. prendre sa revanche sur tous ceux qui l'ont spoilé. Donc là, voilà, Rock Hudson Salopra. est un héros traditionnel, la gestion des paysages est totalement traditionnelle dans le, dans le, dans le, dans le film, donc voilà, on est, on est loin de... Où se situe l'horizon on, on est loin de André de Toth euh, à ce niveau-là, mais pourtant il y a des choses qui sont intéressantes, notamment, alors moi je trouve que le méchant est plutôt, euh, est plutôt pas mal, parce qu'il cabotine un petit peu, du coup ça lui donne une logique un petit peu jusqu'au boutiste. Et en fait, t'as l'impression que c'est un peu comme une espèce de rapace qui. Euh, parce que ça reste quand même un vrai salopard, mais c'est un rapace en fait qui ne peut pas lâcher sa proie, la proie étant donc du coup le personnage féminin euh, euh, principal. Donc. le ride. Voilà. Donc le, ça, je trouvais ça plutôt sympa, ce côté voilà, ce côté euh, rapace. Du coup, il y a un petit côté euh, méchant. En termes de mise en scène, moi, quand je ne savais pas qu'il était fait pour la une potentielle pour une potentielle 3D mais je là j'étais là je fais putain le des, des, des plans à ce niveau là en fait euh, bah Walsh du coup là il il, il convoque The Great Town Robbery donc premier western de l'histoire du cinéma tu vois qu'il fait quelques 1903. trucs en fait euh, qui marche avec de la 3D quand mais, Lee Marvin pointe son flingue sur l'écran des trucs comme ça voilà j'étais hein. surpris je fais bah, putain le on se prend quand même le truc en pleine en pleine face je trouve ça couillu je trouve ça courageux euh, à l'époque. Je trouve qu'il y a une convocation de l'histoire du western à ce niveau-là, de, de la mise en scène du western à ce niveau-là. Donc, je trouve ça un petit peu mal. Hein. Et puis, le... qu'est-ce que je voulais dire euh, d'autre Ah oui, voilà, par rapport à, à, au, au personnage. Alors, je suis d'accord avec vous par rapport au personnage secondaire qui essaie de parasiter tout le tout le bazar enfin le bazar qui finalement qui est assez simple donc je trouve ça cool mais au final c'est la bande qui veut la fin de de ce brigand ce brigand mal aimé si je puis dire c'est ouais maintenant on arrête les c'est un héros traditionnel westernien un espèce de hors la loi repenti un Indien et une femme. Limite, c'est la chevauchée fantastique de, de mmh. John Ford à, à ce niveau-là. Mais je trouve que en des fait, ou des... oui, mais en fait, je trouve que ce, je trouve que cette euh, cette alliance-là, en fait, <coughs> fonctionne très bien. Alors, il y a un petit côté, voilà, hein, United Colors of Benetton mmh. ou United States of America, mmh. comme c'est comme vous, vous le voulez. Mais je trouve que c'est un film à ce niveau-là qui rentre assez bien dans son contexte de production des années euh, des années, des années 50. Donc c'est un film qui est clairement conscient de euh, de ses enjeux de personnages et de ses enjeux euh, formels. Du coup, le film, bien entendu, la mérite beaucoup plus que la, que la moyenne, parce que euh, même si le, voilà, le, la trame euh, narrative principale est hyper cloisonnée et qu'on est dans un western, sommes tout, somme tout assez basique, il eh ben, y a des choses un petit peu qui, qui l'élèvent et, et qui mettent le film un petit, un petit peu au-dessus de, de la moyenne. Après, on n'entendait pas moins de ce vieux roublard de, de Raoul Walsh. Mais bon, voilà, le plaisir est toujours... Le, le voir plaisir voir, est un même À l'époque, il avait déjà plus de 60 ans. Hein, ouais. Il est né en 87. Euh... Ouais. Il y en avait voilà. déjà beaucoup ouais. sous la pédale. Ouais, ouais, mais tu vois que le truc, il, il continuera il... à tourner il... tout le reste des 50 ouais. en plus. Mais... Il, tient bien, ouais. il tient bien son truc du coup. Je pensais une superbe scène, moi j'ai trouvé, c'est celle de la rivière. un moment, un des hommes de main oui. et la femme à essayer de s'échapper mmh. euh, du griffes du, mmh. du méchant. Et au moment où ils s'enfuient, ils sont rattrapés par la bande. Donc ils s'enfuient à cheval, euh, ils passent à travers une rivière et la, la bande les rattrape à cheval aussi, leur tire dessus et il y en a un qui tombe. Et là, on, y en a un, euh, le chef de la bande en demande à un de ses hommes de main d'attraper au lasso. Euh, le, oui. le, le, celui qui a été blessé, enfin le fuyard en fait, celui qui essayait de s'échapper. Et on va le voir euh, traîner au lasso le type euh, sur les cailloux le long de la rivière, filmé d'assez loin. Un peu Avec que... une sorte de bah, une mise en scène là, vraiment euh, latérale en fait. Parce que, je pense qu'il va avec le format large, mais ça donne une impression assez sadique. Ça, pour le coup, j'ai jamais vu ça dans un western classique de mmh. ce moment-là. C'est déjà, je pense qu'en termes de cascade, c'est pas si facile que ça à faire parce que c'est filmé, en... filmé en plan long de, de loin et on sait pas ce qu'il devient. En plus, ce personnage-là, on imagine que il a fini par mourir à à, à accrocher un lasso. comme le cascadeur. Et ouais. <laughs> est -ce qu il... un personnage comme ça, voilà, le personnage secondaire qui est d'un coup devenu personnage positif, qui arrive presque un peu de, au devant du récit et puis qui meurt très vite, comme ça. Et on a l'impression qu'ils ont choisi cette mort-là parce qu'il mmh. y avait ce beau paysage-là. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, mmh. On utilise les éléments qu'on a pour ouais. finalement euh, en profiter pour faire un, un bon plan. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis quasiment faire un peu récit. Quoi. Mmh. Enfin, ouais. Faire mmh. mini-scène euh, en elle-même. C'est vrai que c'est un film qui, est, qui reste quand même, somme toute, assez linéaire parce qu'il n'y a pas de grands moments de bravoure comme le de Tos avec euh, mmh. la fusillade, par exemple, dans la tempête ou la fusillade mmh. euh, dans le sombre du, euh, du, du saloon. Donc voilà, ça reste. Même, assez, euh... même dans les films de watch parce que 2-3 ans avant il fait pour moi ce qu'il y a un de ses plus beaux films le monde lui appartient avec Gregory Peck qui a des plus grands films d'aventure <laughs> du monde non si non si si je l'aime beaucoup aussi je pense que tu le notes quand même très très haut mais, oui. mais c'est un film que j'adore aussi mais qui, est, qui est très agréable qui est dans donc, un autre ouais. style. non mais voilà et, donc, effectivement, et moi par contre aussi sur Raoul je pourrais finir euh, son dernier film qui fera euh, 10 ans plus tard euh, La charge de la 8ème brigade qui je trouve un peu trop mauvaise presse alors que c'est un super film. Hein, c'est un film est qui est impeccablement avec une musique ouais. de Max Steiner qui fait un potin à réveiller à réveiller Miklos França. Le thème est incroyable et pour un mec qui avait genre quasiment 80 ballets, ouais. le film est incroyablement emballé. Avec et une des plus grandes scènes de bataille ah ouais, euh, du western final, euh, qui, est, ouais. qui est prodigieuse. Mmh. Donc jusqu'à la fin, le mec il aura fait des films d'aventure, ouais. il aura fait des westerns. Et... Il aura fait ses films comme il aura vécu, en mentant à moitié, mais il le faisait tellement bien. <laughs> bah oui, voilà. Donc voilà. C'est deux très belles ressorties, dans tous les cas. Donc Bataille sans merci de Raoul Walsh, 1853, qui vient de ressortir aussi en DVD et Blu-ray. Chez Sidonis Callista, on va passer un tout autre jour. On va quitter le western pour aller dans le monde du polar très noir, où des personnages se retrouvent au pied du mur. en attendant Goder sur Syllab et donc c'était Délétard avec Au pied du mur, donc donc on, on l'avait compris, <rire> <rire> voilà un groupe euh, qui fait du potin à Paris et qui est très bien. Donc voilà, et de gens au pied du mur. Il en est question euh, dans le film Misanthrope sorti mercredi dernier dans les salles françaises, titre original Tout pourri, to catch a killer. Titre français qui, pour le coup, colle beaucoup, beaucoup mieux euh, à, ce que, à ce qui est développé dans ce film de Damien Zifron, son premier film américain, donc réalisateur euh, argentin, con, qui avait une reconnaissance à dire sur la scène internationale euh, il y a 9 ans déjà, en 2014, avec son film à sketch euh, Les. Nouveau Sauvage qui est absolument admirable et dans lesquels il continue quand même plus ou moins de recreuser euh, les mêmes thématiques. Euh, film de commande pour lui donc premier film américain qui a été euh, je pense commandité par l'actrice principale euh, Shailene Woodley qui jouait dans les conneries de young adult genre Divergente et euh, donc compagnie et puis compagnie des trucs comme ça d'aventure pour les, pour les adolescents attardés euh, et euh, qui donc là euh, se met euh, en, en personnage principal euh, d'une jeune fliquette euh, de la police de Baltimore euh, qui euh, le soir du nouvel an tout d'un coup il y a un sniper qui se met à décaniller 27 personnes du haut des toits et là ça part en sucette totale, l'appartement d'où il a tiré explose et qui arrive le f hey, fucking BI avec euh, son, son enquêteur en chef incarné par Ben Mendelssohn, qui a la voix la plus grave du monde. <laughs> Incroyable. Et donc lui, il, il décèle chez cette jeune fliquette euh, un truc qui pourra l'aider euh, à, à, à capturer donc, ce tueur de masse, et décide de la prendre dans son équipe. De ce postulat, on va dire, relativement classique, Damien Zifron développe en fait tout un, toute la machinerie, et presque la machination, que donne lieu une enquête policière aux USA, surtout en ce qui concerne les crimes de masse, dans, avec un tueur qui menace de peut-être répéter ce qu'il va faire. Donc, ce qui est, moi, je trouve passionnant à la fois les 20 premières minutes du film où on voit euh, le meurtre se mettre en place et euh, le début de l'enquête, c'est 20 minutes d'absolument estomacantes en termes de mise en scène, la manière dont il maîtrise. Tous ces, tous ces éléments, comment est-ce qu'il va les mettre en place, les faire dialoguer les uns avec les autres et décrire des personnages pour lesquels on va avoir presque d'instinct de l'empathie ou bien euh, l'inverse de l'empathie, de la haine pour des personnages... Euh, la désempathie. La désempathie pour des personnages euh, de politique parce que du coup on va voir un peu tout dire, le poids de l'administration et du corps politique qui peut se mettre dans le chemin d'une enquête de mecs qui veulent juste faire leur boulot à la fois donc de, de retrouver ce tueur en essayant de décrypter sa personnalité parce que le personnage principal elle même on va dire a un passé assez trouble ce qui fait que le personnage de Ben Mendelsohn pense qu'elle peut l'aider justement à comprendre la psychologie du tueur et donc à comprendre son cheminement personnel on va dire pour en être venu à tuer 27 personnes quand même avec un sniper dans un temps limité, c'est quand même assez euh, impressionnant. Et il déroule après pendant 1h53. Ah, 1h53, regardez, ça c'est bien. Ça c'est la ça durée d'un film. Ça reste correct. A a peut-être 30 quoi. minutes de trop. Mais non, euh... non, même pas, même pas, <laughs> même, <pas>, même <laughs> C'est ça qui est étonnamment, ouais. qui étonnamment <laughs> mmh. fonctionne bien. Une intrigue qui se tient durant tout le film, avec peut-être juste un léger, peut-être décrescendo euh, dramatique sur la fin, avec euh, un quart d'heure de confrontation finale qui n'est pas mauvais loin de là, mais qui est peut-être euh, euh, dramatiquement moins fort, parce que c'est la confrontation en fait entre les personnages et puis le tueur où en fait ça va être peut-être moins virtuose en termes de mise en scène, ça va être beaucoup plus posé, il y aura plus de dialogue en plus pour révéler un, donc un personnage de tueur absolument glaçant l'acteur est oufissime aussi grosse voix Et le mec il aime bien les acteurs avec des grosses voix euh, d'amien zifron Ou du coup ça sert peut-être moins démonstratif en termes de mise en scène mais en termes de, de discours sur ce que d'amien zifron euh, de l'Amérique de ses de, de la mécanique de sa violence et de la reproduction de sa violence euh, envers ses concitoyens enfin envers les eux, 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 citoyens américains il euh, y a une ambiguïté qui se crée parce que le discours du tueur finalement n'est pas incohérent du tout on peut même l'entendre on peut même le comprendre et on sent que le personnage principal a de l'empathie pour lui aussi ce qui du coup euh, sur le, la question de la la, la mise en révélation d'un monstre normal, entre guillemets, est assez perturbante parce que justement ça interroge aussi tes propres pulsions de spectateur ou de choses que tu pourrais attendre, qui finalement est assez désarçonnante. Donc pendant une heure et demie de mise en scène, de procédurales, de, de questions politiques, euh, d'un de, de, de fausses enquêtes qu'il faut résoudre parce que le politique les réclame, pour amener à une conclusion qui, donc, en termes de mise en scène, je trouve se restreint dans son ampleur, mais en termes thématiques, prend pour le coup euh, une place je trouve euh, assez forte c'est pas du tout un feel good movie mais alors pas du tout hein. là par contre si euh, vous êtes un peu désespéré de la situation si vous avez un peu de mal à croire en l'être humain c'est pas votre film du dimanche soir d'ailleurs le film s'est bidé totalement euh, aux USA il est sorti d'ailleurs sous un, un titre pourri on dirait un, un direct to vidéo avec Bruce Willis euh, dans ces dernières années To Catch a Killer alors que pour le coup en France donc le titre français mise en colle beaucoup mieux euh, à la personnalité des personnages et notamment à la personnalité donc de son actrice principale et, et de son tueur de masse. Il y, y a vraiment une espèce de, de, de dialogue qui se crée en termes formels et en termes narratifs entre les deux personnages que je trouve hyper intéressant et que j'ai dans, dans le cadre de ces films de, de milieu de gamme de production américaine. Qu'on ne voit quasiment plus. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils savent plus du tout faire des films de milieu de gamme. Et comme ils ne savent plus ramener des metteurs en scène étrangers, justement, pour euh, renouveler le cinéma américain, et notamment dans un truc qui est, a priori, relativement normé, le cadre du polar, là, pour le coup, tu as un mec qui fait comme 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Il arrive, je trouve, à trouver sa place et à faire son truc, justement, de. Je sais pas si on peut dire que c'est un film d'auteur, mais en tout cas d'un metteur en scène qui a un projet de mise en scène et qui en plus s'est euh, appuyé là où ça fait mal dans on va dire, euh, le processus narratif de son film. Donc, je trouve quand même euh, assez estomacant. Je m'attendais un peu à trop rien, même si j'aime beaucoup son, son premier film. Enfin, Les, les Nouveaux Sauvages, qui n'est pas son premier film. Mais oui, ouais, c'était juste une petite question comme ça. Comme je n'ai pas vu d'image du film, tu aurais d'autres films qui ressembleraient un peu juste qui te ferait penser, je sais pas, des... Tu, vois, tu te dirais, tiens, ça ressemble peut-être un petit peu, je pensais à Zahler qui avait fait des polars. Ouais, d'ailleurs, il y a un peu de ça, ouais. même s'il est beaucoup plus formaliste que Zahler, ouais. euh, je pense, mais c'est vrai que c'est un peu cette ambiance de polar bien dépressive, avec une, une lumière euh, assez âpre, euh, assez tranchante, et c'est ouais, cette même veine... Euh, un peu procédurale ouais, procédural ou dépressive Procédurale ou dépressive du polar <laughs> finalement, qui est un sous-genre en soi. C'est l'humette qui a lancé le truc. Oui, et... c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a... <laughs> y a il y a un peu ce côté-là euh, qu'on pourrait aussi retrouver chez Lumet, ce côté le procédural, le poids du système et comment est-ce que des individus euh, veulent on va dire juste faire leur travail, donc ils sont là, genre euh, arrêter des tueurs et comment est-ce que le système juridico-politique finalement empêche ça d'arriver parce qu'il y a d'autres considérations, des, des considérations médiatiques, des réélections, des places de pouvoir à, à à pourvoir, justement, au sein du FBI, au sein de la mairie, parce qu'on on sait que l'administration américaine est, est différente, notamment avec la police locale, qui est administrée par la mairie de la ville, tout ça. Donc, tous ces imbringlios, justement, euh, se mêlent, et je trouve ça assez fascinant à voir, okay. d'autant que ça n'oublie pas de ménager quelques scènes intimes avec ces personnages qui ne sont jamais trop lourdes ou trop démonstratives okay. en termes d'écriture, et puis en termes de dialogue, mais juste ce qu'il faut pour finalement qu'il y ait l'once d'humanité ou de déshumanité pour qu'on croit à ces personnages-là et au fait qu'ils veulent faire avancer l'intrigue et, euh, et qu'ils arrivent à rattraper le tueur. Et la représentation euh, de la ville, un peu, est-ce que c'est. Parce que je me posais la question, Baltimore, euh, avec David Simon ouais. et sa, sa série, il avait changé complètement par rapport à The Wire et We Own the City. Ouais. En représentation, là, la... Quel traitement, il fait un peu de bah en la fait, c'est assez intéressant déjà parce qu'effectivement, au début du film, moi je me suis dit que ça ressemblait euh, un petit peu à New York parce que ça se ouais. passe dans les beaux quartiers de Baltimore, euh, c'est les grands buildings, tout mmh. ça. Donc, au début, tu penses que tu es un peu en terrain connu, on va dire, et non, en fait, direct après, quasiment, on t'emmène sur le port de Baltimore et on te okay. voit un petit peu les différentes artères. On va voir quelques quartiers pauvres et comment est-ce que mmh. les, les situations sociales des habitants okay. de la ville, qui est quand même toujours une question. Qui reste présente même si on les voit peu, c'est toujours cette question-là. Qu'est-ce que vont faire les habitants Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce tueur de masse Comment est-ce qu'en finalement euh, un peuple réagit à une menace insaisissable Et comment est-ce que le politique s'en empare et le rate Et comment est-ce que est que les petits flics essayent de rattraper la situation, même s'il faut passer par un moment qui sera assez désagréable Finalement, la population va guérir delle même parce qu'elle fera corps. Voilà, donc ouais. c'est pas mal. Hein. Donc, euh, Misanthrope de Damien Zifron, sorti dans les salles françaises mercredi dernier. On va passer au coup de cœur. C'est euh, de la merde. C'est de la merde. Oh, je, voudrais, je voudrais que tout le de la monde s'imprègne. Merde. 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 C'est vraiment la nous plus, nous plus grande visite. merde des merdes. Les coups de cœur, carrément fleurés. Eh bien, moi, ça sera Dias, un crime d'état, film italien de Daniele Vicari, sorti 2013 en France euh, qui raconte euh, l'énorme scandale euh, qui s'est déroulé euh, lors de la prise par la police de l'école Diaz euh, juste après le sommet de Gênes euh, en 2001 qui avait bien dégénéré, qui avait bien dégénéré film euh, pas exempt de tout reproche, hein, loin d'être parfait parce qu'une certaine complaisance par rapport, voire carrément limite, on est Quelques scènes quasi pornographiques par rapport à la gestion, de la notamment de la torture, euh, des arcs narratifs totalement inutiles, ce qui est bizarre. Donc, euh, voilà, il y a des personnages, où on s'en fout complètement. Mais à côté de ça, y a, je trouve qu'il y a une vraie euh, stratégie du choc, hein, pour paraphraser euh, Nomeklin, euh, par rapport à la question euh, des violences policières et, par, et comment. Euh, et, oui par extension, la violence, euh, violence d'état, parce que si le, le film n'est pas du tout explicatif, on est vraiment dans une logique caméra à l'épaule, au plus près de l'action. du coup, la comment dire la, la colère en tant que spectateur qui commence à monter <coughs> est, est littéralement palpable. mais il y a des enjeux, un petit peu de, de, des enjeux de pouvoir. Qui se trame ici. Alors, on est plus dans une question de, de hors-champ que vraiment d'analyse des enjeux de, de pouvoir euh, policier et, et politique. Néanmoins, ils ont le mérite, là, pour le coup, d'être utiles et d'exister. Donc, le film aurait peut-être mérité à être plus ample. Mais euh, la plongée euh, dans la violence policière est peut-être euh, nécessaire en ce moment. Je vous rappelle, hein, bien sûr, que les violences policières euh, n'existent pas. Hein, ouais. Bien sûr. Hein, attention. Hein. Quand même. Merci euh, Thibaut Simon. Ben moi, ça va être L'Homme tranquille de John Ford. qu'on ne présente pas hein, un de ses grands films. Oui, et... dont on a reparlé ici au moment de la sortie en Blu-ray chez Rimini. Euh, et Rimi, chez Rimi. Mmh. et euh, Play Dirty euh, d'André de Tos. Enfant de euh, salaud son... son titre français. Oui, c'est ça. Son dernier film. Hein, oui, exactement. Un film de guerre euh, un peu d'escarmouche, une sorte de petite mission commando, mais avec. Euh, on n'est pas avec des super spécialistes de quoi que ce soit, en fait, on est avec une bande de truands qui, qui ont un objectif et il n'y a rien de glorieux, en fait, à aucun moment, en fait. C'est peut-être un des rares films de guerre qui euh, casse tous les trucs qui pourraient un petit peu installer avec euh, un cynisme qui, qui dépasse peut-être tout le reste, des, ouais. toute la filmographie de de, de, de Toss. Il a fait fort pour son dernier ouais, film. Ouais. Ouais, il s'est dit, mmh. euh, bah foutu pour foutu, autant y aller à fond et montrer que l'humanité, c'est quand même pas ouf. C'est ça. C'est peut-être, on parlait du Walsh mmh. tout à l'heure. Walsh, son dernier film, c'est un énorme mmh. western avec des paysages magnifiques et des grandes batailles. De Tos, c'est 4-5 types dans le désert et qui, qui sautent en marchant sur des mines. Et... <laughs> Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, dans un tout autre jour, c'est un des façon, que j'ai vu cette semaine. J'ai revu le film de Patrick Bouchité de 1991, euh, Lune Froide, son film avec euh, Jean-François Stévenin. Euh, basé sur des nouvelles euh, de Charles euh, Bukowski euh, film euh, d'errance euh, à Lorient euh, et dans sa région entre deux branleurs euh, qui veulent rien foutre à part euh, boire des canettes et euh, c'est très drôle c'est enlevé c'est hyperbeamment bien écrit et à la fin ça finit meilleur euh, ben, par un drame euh, qui te fait revoir euh, toute l'histoire et tout le reste du film, c'est absolument bouleversant et, et bouchité. Et Jean-François Stézin sont évidemment magnifiques. Et le film, je crois, ressort à la rentrée en DVD, Blu-ray, chez le chat qui fume, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été restauré par Gaumont récemment. Donc voilà, merci messieurs, merci Valentin de la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour reparler de Western, mais cette fois dans le bush australien, notamment. Prochaine émission, prochaine édition. À ah, ciao, bonsoir. Salut, bonsoir.